Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons ceux qui ont fait vibrer le Zénith de Paris lors du dernier MMA GP, c'est-à-dire eh bien, le flamboyant Emerson Silva, le spectaculaire Michael Algerouge et la voix du MMA, forcément notre speaker, Sébastien Love. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, avec que des loges, franchement. Alors, avant de passer à notre interview spotlight avec vous messieurs, eh bien, on va passer aux résultats du week-end avec Lucien Jahan. La première étape du PFL Europe a eu lieu samedi dernier en Angleterre et le français Anthony Salamone que nous avions reçu dans MMA Extra Round était de la partie. Opposé à l'espagnol Daniel Ladero chez les moins de 93 kg, l'ours blanc n'a eu besoin que de 2 minutes 19 pour s'imposer. Après un coup de genou en pleine tête qui fait tomber son adversaire au sol, le français enchaîne sur un ground and pound. Ladero est dépassé, l'arbitre met fin au combat. Anthony Salamone signe donc son premier succès au PFL après son revers par décision face à Will Fleury en août dernier. 3 ans après son dernier combat à l'UFC, la combattante vénézuélienne Veronica Macedo est remontée dans la cage lors de l'UFC 286 à Londres. Et c'est ce qu'on appelle un retour gagnant. Pour trouver trace de son dernier combat, il faut remonter au 14 mars 2020, une défaite face à Bea Maliki. Dans la capitale britannique, le scénario était bien différent. Opposée à l'américaine Juliana Miller, Macedo a imposé son rythme et a remporté le combat par décision unanime. Une victoire qui signifie beaucoup pour la combattante qui est également la commentatrice officielle du Ares. Ares qui va peut-être permettre à Mickaël Lebout de décrocher la ceinture intérimaire des welterweight. Le 7 avril prochain au Dôme de Paris, le vétéran français affronte l'argentin Laureano Staropoli dans un choc entre vétérans et UFC. Staropoli a disputé 5 combats à l'UFC entre 2018 et 2021 et Lebout 3 en 2015. Après sa victoire face à Carla Moussou en décembre, la légende Mickaël Lebout aura l'occasion d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Et vous le savez, le MMAGP, c'est le produit phare sur Sport en France. Alors c'est tout naturellement que nous allons faire la part belle aux combattants qui ont fait briller donc, cette édition. D'abord, l'histoire de ces hommes qui nous intéressent et surtout leur parcours. L'interview Spotlight, c'est tout de suite. Emerson, tu nous as complètement sidéré lors de tes deux apparitions au MMAGP. D'abord une guillotine venue de nulle part et puis dans ce deuxième combat, eh bien, tu nous as tout simplement pris ton adversaire, tu l'as arraché et tu l'as envoyé de l'autre côté de la cage. À chaque fois, tu nous fais des dingueries, on peut le dire. Est-ce que tu as l'intention de nous en faire à chaque combat ou... Parce que là, vraiment, on en a envie maintenant, on en redemande. Bon, il y a toujours un game plan, mais parfois ça change, parfois ça chauffe. Et ça arrive. Hein. J'aime bien de faire des beaux combats pour montrer qu'est-ce que je suis capable. Et c'est ça que je vais faire le prochain combat et tout ce qui va venir. Des performances incroyables qu'on va revivre en images, regardez. Un style qui a l'air assez nerveux, assez sanguin. Ouais, il a l'air grave explosif. Quand ça... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah, il a tenté le coup de genou sauté, là, il est sur une guillotine, là, Silva. Oh! Il est tombé! Wow! Hallucinant! Hallucinant! Écoutez! 30 secondes! Il a fallu 30 secondes à Silva pour finaliser. Exceptionnelle performance de la part de Silva. Bravo à lui. C'est prochain là, qui touche. Hop. On a eu 3 punchs foudroyants. Ah, oui. Il a bien écouté les conseils de son coach. Par contre, là, il vole. Oh, boum, chakalaka. Emerson Airline. Il va falloir demander un ostéopathe dans l'équipe médicale parce que vraiment. Et s'il va encore qu'il arrache. Allez, il traverse la salle. Mais quel spectacle. Incroyable. Il l'a pris comme un sac de pommes de terre. Il a choqué la salle. La salle est debout, on est choqué. Les gens ont la main devant la bouche, ils n'en reviennent pas. Mais et le jeter comme ça, attention par contre là. Ah oui, Bruno Lloret est bien là. Ah, oh. Non, trop tard. Et Silva qui l'a vu venir, attention là au bras de tête. Attention, c'est un cadeau en guillotine, on l'a vu dans son premier combat. Attention à l'anaconda. Ça va partir. Elle est bien engagée. Aïe.
Elle est bien engagée. Ça va taper, il se prépare à taper. Et c'est tapé. Il a récidivé. Le maître de la guillotine. Qu'il est doué, ce Brésilien. Le coin bleu, Emerson, Shark, Chi. Emerson est en conquête. Il vient poser son drapeau brésilien ici en France, dans l'antre du MMAGP, de la plus belle des manières, au Zénith de Paris, là où se produisent les plus grandes stars françaises. Bravo Emerson, ça c'est un sacré step dans ta vie. Emerson, je me suis cassé la voix sur ton combat. J'ai vu ça. Il va falloir que t'arrêtes maintenant. Donc étonnant, flamboyant Emerson, est-ce que tu fais aussi ça à tes partenaires, parce que tu fais partie de la team Voirin, tu leur fais ça aussi? Ouais, j'ai cette fois ça et ouais, voilà, je les prends, là-bas les il y a des lourds, voilà. Il y a Jorik, il y a Mathieu, c'est lourd. Ouais. Comme ça, j'ai ça là-bas et quand je prends des mecs plus légers, c'est plus facile. Ça tourne bien là-bas en plus apparemment, hein, de ce que j'ai compris. En tout cas, ça t'a permis, ces deux belles performances, de signer un multifight au MMAGP. Donc ça donne un peu de sens à ton histoire et justement ton histoire, on va y revenir. Tous les deux, vous avez ce point commun, vous avez dû traverser plusieurs pays pour venir embrasser un rêve qui est celui de devenir combattant en France. Donc tu viens de Rio Grande au Brésil, tu as traversé le monde en 2018 pour faire carrière en MMA ici. Mais c'était à une époque où le MMA n'était pas encore légal en France. Donc c'est un choix qui est curieux. Pourquoi as-tu voulu t'installer en France? Par contre, j'ai essayé d'aller aux États-Unis, parce que là, c'est la... Oui, voilà, tout le monde pense aux États-Unis. Nous, on pense au Brésil, à vrai dire. Ouais. Et toi, non, toi, tu viens en France. Tous les Brésiliens pensent aux États-Unis. Mais comme le visa était refusé, on cherchait l'autre visa. Et c'est le visa français qu'on trouvait. Et on est venu ici en 2019, à avril 2019. Par contre, le MMA n'est pas légalisé encore. Et par contre, je n'ai pas du temps parce que j'ai venu ici, j'ai travaillé. Et il y a tout en problématique pour chercher une solution. Et c'est jusqu'après 2020, je pense. Et après, c'est arrivé la pandémie, et ça a levé le coup fou, tout ça. Mmh. Et après, j'ai trouvé Daniel. Et là, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et voilà, c'est en 2022 jusqu'à... que j'ai commencé à faire des retourner à faire de combat. Et pourquoi t'es pas resté au Brésil? Pourquoi absolument vouloir t'expatrier? Ouais, parce que c'est pas facile là-bas. J'ai un rêve de ces combattants de MMA. Et là-bas, c'est presque impossible parce qu'on a besoin de travailler, ils s'entraînent et le travail ne donne pas beaucoup d'argent. Okay. Le combat ne donne pas beaucoup d'argent aussi. Donc j'ai une famille, j'ai une fille. Ouais. Donc ici, c'est plus facile. Et c'est plus compétitif, je pense, là-bas aussi. Il y a beaucoup plus de concurrence. Là. Ouais. Je suis c'est là-bas que c'est né, hein, le MMA. Ah, bah oui. Je suis ancien de la Kimura, d'Envignon, Kimura. Et là-bas, j'ai combattu en 70. Il y a 12 et 13 70. Donc, il n'y a pas beaucoup d'événements. Et les événements qui arrivent, c'est plus ancien. J'ai resté là-bas, j'ai fait beaucoup de combats depuis point. J'ai attendu l'opportunité pour les MMA. Et j'ai trouvé jusqu'en 2018 à l'autre ville, à 300 km de Natal, de ma ville. D'accord. Là, en 2018, j'ai fait 2 combats. À fin d'année, j'ai gagné les 2. Et après, j'ai bien ici en France. Et puis, la vie est très chère là-bas. C'est-à-dire que pour nous qui allons en vacances, ça nous paraît moins cher par rapport à l'euro. Mais en réalité, la vie, pour ceux qui y vivent, est beaucoup plus chère. Donc, c'est ça que tu cherchais? Tu cherchais aussi un confort de vie, peut-être, en France? Oui, bien sûr. Ouais. Là-bas, vous ne gagnez pas beaucoup et ça n'arrive pas. Mmh. Si vous gagnez un SMIC, ça n'arrive pas à vivre avec ça. D'accord. Donc ici... Oh, je te rassure, en France, avec un SMIC, tu n'as pas beaucoup de vivre mieux que là-bas. Mieux que là-bas, c'est mieux sûr. Mieux que là-bas, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ressemblait ton quotidien là-bas? Est-ce que tu étais plutôt de la ville, plutôt des favelas, plutôt de la campagne? À quoi ressemblait ta vie là-bas? Je viens d'une petite ville à 10 000 personnes. Ouais. Aujourd'hui, quand j'ai combattu au Zénith avec 5 000 personnes, c'est incroyable. C'est la moitié de ta ville. Oui, la moitié de ma ville. Et dans ma famille, il n'y a personne qui fait du combat. Ouais. Dans ma ville, il n'y a personne qui fait de combat. C'est vrai? Ouais. Ah oui, donc t'es un spécimen, t'es un ovni en fait. Ouais, aujourd'hui, c'est très connu dans ma ville. Chef de village. Ouais. Et c'est ça, j'ai vécu dans une petite ville. Après, j'ai passé pour l'armée. J'ai passé 7 ans à l'armée, à la marine brésilienne. D'accord. Et après, j'ai déménagé pour Recife, c'est l'autre ville. Ah, Recife. Oui. C'est beau, Recife. Ouais. C'est l'autre ville que là, j'ai trouvé l'autre professeur. Et c'est là que j'ai fait deux combats des mémoires. Donc plutôt une vie à la campagne, plutôt rurale. Oui, c'est à l'intérieur, c'est une petite ville. Ouais. Et après, j'ai habité à capitale à cause de l'armée. D'accord. À cause de la marine brésilienne. Est-ce que tu fais du rodéo comme Alex Oliveira? Non. Tu fais de quoi? Du rodéo. Ah non, par contre, là-bas, il y a un sport qui s'appelle vaquejada. Uh-huh. C'est pas pareil au rodéo.
c'est des deux chevals avec deux mecs pour tomber en tour dans la marcation. J'ai fait ça. T'as fait ça? Ouais, ouais. Tu vois, je le sentais. Donc, quoi, j'ai du nez, j'ai senti qu'il faisait un truc en sort. C'est en piste ouais. avec deux chevals. Ouais. Chaque personne avec un cheval, ouais. il s'assoit en tour, au milieu. Je prends le truc de tour. Et j'ai tombé dans la marcation là-bas. Ok, d'accord. J'ai fait ça beaucoup de temps. Ah ouais, ah ouais. Non, mais je le sentais. La manière dont il a saisi ses adversaires, il y avait un truc louche. C'est même ça, c'est même ça. Alors, pour avoir beaucoup voyagé et avoir rencontré beaucoup de Brésiliens partout autour de la planète, il y a quand même ce trait commun que vous avez. Vous êtes très débrouillard pour trouver du travail, etc. Comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivé en France? Tu as eu un visa. Et est-ce que ça a été difficile de t'intégrer, de faire la transition, de trouver des repères? Parce qu'on est quand même dans un pays qui est très différent culturellement. On est moins caliente que les Brésiliens, il faut le dire. Enfin... Ouais, par contre, j'ai commencé à travailler avec portugais. Ouais. À cause de la langue, ouais. c'est pas facile pour nous apprendre le français tout de suite. Mmh. Même aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté pour parler français. Ah, tu parles très bien français. Ça fait j'ai travaillé avec portugais 12 ans. J'ai commencé à faire des placos. J'ai travaillé dans le bâtiment, on fait du placo. Oh, les stéréotypes, tout de suite. Vu comment ils se lèvent, les gars, ils vont faire un très bon travail. Par contre, à Paris, c'est très dur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs dans le bâtiment. On a besoin de monter, ils descendent à l'escalier avec des sacs, des gravats. C'est grâce à ça qu'il a racheté les sacs. Mais c'est ça. Toujours, j'ai fait de préparation. Travailler dans le bâtiment. Quand j'ai fait un travail comme ça, j'ai dit non, ça va m'aider pour faire du combat. Mais par contre, dans l'époque, je ne fais pas de combat, il n'y a pas de temps. Mais quand tu es arrivé en France, c'était pas légal. Donc tu t'es dit, ça va être légalisé, comment je vais faire? Parce que tu es arrivé en 2019, ça a été légalisé en 2020, si je ne dis pas de bêtises. 2020. Donc, tu savais qu'il y avait des probabilités que ça soit légalisé. Ouais. Ou alors tu voulais faire par exemple du pancras. Ouais, à l'époque, on pouvait combattre en pancras. Mais tu n'as pas combattu en pancras, toi? Non. Jamais. Non, par contre, j'ai écouté qu'il peut-être va légaliser. Ok, d'accord. Mais par contre, en 2019, même si j'ai voulu combattre, il n'y a pas de possibilité parce que. Oui, beaucoup de travail, tout ça. Et après, quand j'étais stabilisé avec un contrat, du travail, tout ça, j'ai commencé à chercher des endroits pour commencer à s'entraîner. D'accord, ouais, donc tu as vraiment cherché à te structurer d'abord. Ouais. Et ensuite, tu as commencé vraiment le combat, mais tardivement finalement. Et j'imagine que Daniel Voirin, ça a été la rencontre qui a tout changé. Parce que vous devez avoir quelques atomes crochus. Daniel Voirin, il a vécu au Brésil, il a une femme brésilienne, il connaît très très bien cette culture. Et puis c'est quelqu'un qui a entraîné les plus grands combattants brésiliens. Donc j'imagine que ça, c'est quelque chose qui t'a attiré. Ah ouais, quand j'ai trouvé Daniel Voirin, c'est un ancien entraîneur d'Anderson Silva, Lyoto Machida. Tu le savais avant de rencontrer Daniel? Ouais, je le savais déjà. Quand j'étais petit, je regardais des DVD avec le Pride d'Anderson Silva, Lyoto Machida. Et quand j'ai regardé lui, j'ai dit tiens. C'est là, je vais commencer encore. Et lui, il parle portugais aussi, ouais. Ça m'a aidé. Et lui, c'est très gentil. Lui, ça a changé complètement ma vie. Et ça fait, j'ai recommencé à le sport. Parce que parfois, j'ai pensé, c'est normal d'abandonner le sport. Parce qu'arrive un jour qui vous dit, ah, ça, c'est pas pour moi, c'est trop tard. Ouais. Mais quand j'ai dit, c'est pas vous qui choisissez le sport, c'est le sport qui choisit vous. T'as quel âge? 32. Ça va. Jusqu'à 40 ans, je pense que ça arrive. Et est-ce que tu te sentirais capable de fédérer la communauté brésilienne qui vit, par exemple, à Paris, ou en France même, quand tu combats? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est un argument très important pour signer avec des grandes organisations, être capable de fédérer, de ramener beaucoup de gens, de faire de la billetterie. C'est d'ailleurs ton point fort, Michael. Michael, il nous met le à chaque fois. Trop de gens. Quand ils viennent, c'est... Est-ce que tu te sens capable de fédérer cette communauté brésilienne en France? Même de la famille qui sont... Ouais, je pense que ça commence. Je pense que ça commence. Ouais. Normalement, j'y ramène beaucoup de gens. Pas beaucoup, pas trop, mais beaucoup de gens avec moi. Et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de Portugais et Brésiliens qui commencent à me suivre. Mm-hmm. Et ils m'envoient des messages, je veux te combattre, tout ça. Je pense que petit à petit, ça va commencer à arriver beaucoup de gens. Et je pense que tu inspires beaucoup, effectivement, de personnes. Et donc, vous avez ce point commun. Toi aussi, Michael, tu étais venu sur ce plateau pour nous expliquer que tu avais quitté ton pays qui était en guerre. C'était assez émouvant. Emerson, alors je ne sais pas si tu as vu cette émission, mais en gros, Michael nous expliquait qu'il devait esquiver les balles des snipers pour aller à l'école, tu vois, esquiver les kidnappings aussi. Donc là, on est encore sur une autre zone. Ça te parle, son histoire, à Emerson? Oui, bien sûr. Bah, il est venu, il connaissait personne et tout. Il a tout construit. Il est parti de rien et il n'a pas lâché. Il a trouvé du travail. Il a signé le contrat de travail, j'imagine. Tu l'as dit en plus. Il est parti de rien, donc
Je sais de. Parcours. Ouais, je le sais. Du coup, le récit qu'on a dans les tribunes. Bien sûr, j'imagine les papiers, y aller à droite, à gauche, à la préfecture, nanana, ouais, je comprends. Quand on sait que pour être un combattant MMA, il faut savoir porter les sacs de ciment et esquiver les balles. On sait que tu vas loin. Ouais, si t'arrives à faire ça, t'as la ceinture. C'est bon. Non, mais c'est plutôt de bon augure, parce que tu vois, Michael, justement, il a fait à peu près le même chemin que toi. Il est parti de son pays et regarde aujourd'hui où ça l'a mené. Donc, c'est plutôt encourageant. Quelle suite tu aimerais donner à ton histoire? Quel avenir tu aimerais avoir dans le MMA français? J'ai pas compris. Quelle suite, quel futur tu aimerais avoir dans le MMA? Ah, ok. Bon, maintenant, je suis en mode fight, en MMA-GP. Et c'est ça, c'est la phrase que j'ai dit. Où je me cours pour arriver, je vais arriver. Comme j'ai dit, j'ai 32 ans déjà. Mais j'espère peut-être signer avec un gros orga. Je vais travailler pour ça. J'ai plus de combats dans le MMA-GP pour montrer mon travail. Et après là, on cherche d'opportunités pour montrer le maximum. T'as encore deux combats avec MMA-GP, ouais, là. Ouais. Merci, ouais. Il manque deux combats pour finir le mood fight. Ouais. Et après, on verra qu'est-ce qui va arriver. Bon, on espère en tout cas que tu vas nous ravir une nouvelle fois dans cette cage. On attend en tout cas avec impatience ton retour. Michael, quant à toi, eh bien, justement, ton parcours, on en a parlé largement dans une émission qu'on vous invite à aller revisionner, elle est sur YouTube. C'était au tout début de l'émission d'ailleurs, tu as été l'un de nos premiers invités. Je te propose qu'on revoie, qu'on revive ensemble cette belle prestation que tu nous as fait face à Boursa Zoubir. Voilà, Zoubir, ça me revient. Ouais. Alors comme je le disais précédemment, j'aimerais beaucoup voir. Premier échange là. Super, les coups de genoux. Coups de genoux au corps, très puissant. Pour bousculer Zoubir Boursa. Ah, superbe ce high kick. Ça démultiplie la force. Oh, très beau ça. Très beau take down. Ouais, les deux. Hein. C'est bien relevé derrière. On part sur une guillotine. Attention, on l'a dit, c'est la spécialité de Zoubir. Bon, après, ce n'est un secret pour personne, j'imagine. Ah ouais, il a failli passer à quelques centimètres de plus. Oh, et encore là. Et c'est bien ce qu'il fait. Dans ce second round. Oh, ce bras avant là qui a touché. Et une première descente. Ah oui, oui, oui. Oh, ce coup de genou. Oh, et encore. Ah, il cherche le finish. Oh, ouais. Pour les 10 dernières secondes, il veut marquer les esprits. Waouh. Ouais, mais il s'est fait contrer, hein, finalement. Waouh, quel temps fort pour cette fin de deuxième round. Beaucoup plus agressif. Oh, ce bras avant là était magnifique. Chaque homme qui rentre dans cette cage mérite le respect. Et oh, super, là, il a touché là. Ça va s'accélérer. Attention, temps fort. Ah, ça vient de sonner, dis donc. Oh là là, quel combat. Super que ta distance n'est pas assez utilisée. Oh, super. Oh, c'est KO. Magnifique. Oh, le bras air. Ah, il a été touché à la tempe. Ah oui, ce cross du bras arrière là, qui passe en contre. Et c'est la fin. Michael, the soldier, Hajabou. On peut saluer le travail du matchmaker. On a un combat remarquable et aussi très tactique. On a senti que tu ne voulais pas aller au sol quand même, hein, sur ce combat. Bah, Gaëtan, il Gaëtan, donc ton coach. Ouais, c'est mon coach. Gaëtan Hertel. Il me laissait pas trop faire ce que je voulais. On avait un game plan et je l'ai respecté de A à Z. Et on le voit à chaque fois, j'étais trop sur le retenu et tout. Et à chaque fois, Gaëtan, il disait accélère, bah, Zuber, boum, il descendait. Et on va dans le premier round ou deuxième, je ne me rappelle plus, il dit bon, bah, sors-moi ton coup de genou sauté, boum, c'était sur le coup, c'était comme s'il jouait sur la PlayStation. Mais ce n'est pas que je ne voulais pas aller au sol, non, c'est. Les gens ne sauront pas quand j'ai un vrai sol. J'ai un vrai sol. Je mets une pression de fou par rapport à ma KT et tout, et c'est grâce à Gaëtan. Mais c'est pas que je voulais pas y aller au sol, parce qu'on a vu, il a tenté le guillotte la première fois, je le compte, deuxième fois, j'ai même pas défendu, j'ai juste avec ma tête, hop, il est sorti. Donc, T'as suivi le game plan de, voilà, de Gaëtan, A à Z, ouais. Exactement. C'est intelligent en plus. C'est, exact. C'est une force de pouvoir écouter son coach à la lettre. Ah oui, il me disait, bon, là, tu fais ça, exactement ça. En plus, il l'a dit, je ne sais plus à qui, il a dit, ouais, Michael était comme un chien en lait. J'ai bien aimé cette phrase parce que, en fait, les gens ne se rendaient pas compte, vous me connaissez maintenant, mais les gens ne se rendaient pas compte que si vraiment j'aurais accéléré
autant que je voulais, j'aurais pu finir le combat. Mais comme Gaëtan ne me laissait pas, il ne me laissait pas. Ça te laisse un peu de frustration, ça, ou pas du tout ? Pas du tout, non. T'es content de la manière dont ça s'est passé ? Ah, mais carrément. Ouais. Ah non, non, j'ai même pas de regret, rien du tout. C'est, au contraire, ça montre à quel point où je suis à l'écoute et à quel point où on a une relation de fou malade avec Gaëtan et j'ai confiance énorme en lui. Donc ça, c'est depuis le début. Hein. C'est, oui. J'ai la chance, que je pourrais dire un jour, j'ai eu la chance, moi, Mickaël, j'ai vu ses débuts et je vois l'évolution. Et puis là, jusqu'à la ceinture, et je sais que ça va continuer. Ouais. Et tu as toujours été cette relation fusionnelle que vous avez avec Gaëtan. Mm-hmm. C'est à chaque fois, t'écoutes tout, et c'est rare. Enfin, c'est rare. C'est pas tous les combattants qui arrivent à écouter à la lettre leur coach dans le coin. Et toi, à chaque fois, tu es concentré sur ce qu'il dit. Et force est de constater que ça marche. Et puis, il m'a dit, première round, sors pas ton bras arrière. On voit sur le... je sais que j'ai perdu le premier round. Et même quand je reviens dans le coin et tout, j'avais même pas de doute sur le combat. Ouais, je savais que j'ai perdu le premier round, mais je savais les 4 rounds qui vont venir, je vais tellement faire du sale durant le combat que... Les gens savent que t'es bon au sol. Hein. Là, t'as dit tout à l'heure, oui, mais non, on sait. On sait que t'es con, mais non, mais c'est vrai. Oui. Ceux qui te connaissent... Les vrais connaisseurs du MMA, oui. Ben oui. Je dis pas ça par rapport à tes oreilles. Non. ouais. Donc, mais on le sait que t'es un combattant très complet. Et alors, comment tu te sens maintenant avec cette ceinture ? Est-ce que ça te donne un sentiment un peu de puissance ? Au contraire, là, tu veux le défendre ton territoire coûte que coûte. Dans quel état d'esprit tu es, là, en fait ? Ça n'a rien changé par rapport à ce que je suis, parce que, en vrai, après tout, ce n'est pas une ceinture qui va changer, parce que, ce que je dis tout le temps, la ceinture, ce n'est pas n'importe qui peut aller le chercher. Et pour avoir une ceinture pareille, il faut être champion même avant de le devenir. Donc, je savais que j'allais être le champion parce que je suis un champion. Donc, ça m'a rien changé. Ça n'a rien changé par rapport à moi. Mais là-dedans, je sais que je dois le défendre pour montrer encore plus. Écoutez, vous avez un vrai champion devant vous. Donc, réfléchissez bien avant de venir chercher cette ceinture. Et alors, ce serait quoi la prochaine étape pour toi ? Là, tu as rencontré un Français, tu aimerais rencontrer un étranger maintenant pour élever encore un peu le niveau, peut-être ? Moi, comme je t'ai dit dans l'interview, je m'en fous. En vrai, mettez-moi qui vous voulez en face et je défendrai ma ceinture quoi qu'il arrive. Et je sais que je vais la défendre et je resterai le champion. Donc, que ça soit un étranger... C'est bien de ne pas choisir ses adversaires. T'es là, voilà, on te met qui Sinon, les matchmakers, ils aiment bien en général. Oui, parce que du coup, c'est vachement bien. Après, j'aimerais pas prendre un mec qui n'est pas légitime pour prendre la ceinture. Ouais. Je vois pas l'intérêt. Mais il faut quelqu'un qui soit... Et aussi, j'aimerais pas avoir un combat facile non plus. Et tant qu'il mérite avoir un combat contre moi pour la ceinture, tant mieux. Combien de temps t'aimerais passer encore au MMAGP ? Le temps qu'il faut pour passer dans une grosse orga. J'ai 25 ans, je suis encore un bébé. Je sais que j'ai le temps devant moi, donc... C'est clair. c'est 25 piges, c'est vrai que tu te dis, t'as une autoroute encore pour toi. Ouais. Donc, ça vise l'UFC, ça vise le Bellator, c'est ça ? Moi, ce que je dis tout le temps, l'UFC, c'est sûr, mais après, c'est un business. Ça peut couler à n'importe quel moment, donc une grosse orga. L'UFC, pour quelle raison ? Parce que c'est le plus gros orga. Au niveau médiatique, c'est ce qui va t'aider à faire plus dans de business, notre, c'est ça ? Exact. Dans notre moment, là, en ce moment, c'est le plus gros orga. Le PFL. Actuel. Mais justement. Ils ont pas macaté. Ils n'ont pas le 57. Ah oui, ouais. Non, ils n'ont pas, effectivement. Ouais. Mais en fait, c'est aussi ça, c'est quelle organisation fait la part belle à sa catégorie, par exemple, parce qu'elle est rare. Les ils n'ont pas 57. Au One Championship, ils le font. Ils le font. Ouais. Bellator, ils ont arrêté de mémoire. Oui. L'UFC, ils le font encore, on en voit beaucoup moins que les autres catégories. Ouais. Tu vois, donc c'est ça aussi. C'est vrai. Ouais. C'est quelle organisation va avoir envie de valoriser à l'UFC, il y a Moreno Figueiredo, ils se sont rencontrés 4 fois. C'est ça. Donc, justement, on a besoin de 109. Donc Michael Algerou est disponible. Non, mais ça c'est sûr et certain que j'arrive. Sûr.
Alors justement, tu me parlais du PFL, Seb. Eh bien, on va parler de Jason Poney parce qu'il va y avoir d'autres ceintures à venir, notamment celle de 77 kilos. C'est la prochaine et ce sera donc le 17 juin prochain à Bordeaux. Le numéro 1 de cette catégorie, c'est Jason Poney de par son expérience. Il y a aussi dans cette catégorie un certain Cédric Doumbé et un certain Emerson Silva. alors maintenant, il y a toujours ces règles au niveau de la Fédération française qui empêchent certains matchmaking de se faire. Ça peut toujours se faire en Suisse, ceci dit. Donc à voir si Abdel Kaznadji, l'organisateur, veut mettre en place ses combats. Mais en tout cas, Jason Poney, là, il va combattre pour la ceinture. Face à lui, eh bien, la question se posait de savoir qui, entre Sofiane Oudina et Michael Dubois, allait le rencontrer. Eh bien, ils se sont disputés la place de contender replay. Et c'est parti, il prend tout de suite le centre de la cage. Mais la pression est au bénéfice de Dubois. Oh, pas mal ce coup de genou là, Oudina. Oui. Il se décale très intelligemment. Attention, la guillotine peut-être. Oui, peut-être. Elle est bien engagée. Elle est engagée. En demi-garde, ça risque d'être compliqué. Très bon contrôle du glove en bras du poignet. Il a un contrôle très très fort. Elle prend le dos et Dubois qui se relève avec son adversaire dans le dos. Et quelle ressource. Ah, Oudina qui est... Oh là là, magnifique. Oudina qui est chaud bouillant là. C'est incroyable. Les coups d'avant-bras là, magnifique. Ah, il y a des mauvaises intentions. Oudina, il a de la ressource, il en a sous pied. Il se prôle. Attention, encore cette jump, cette guillotine sautée. Et cette fois-ci, il a la garde en fermée. Bras-tête. Là, ça peut passer. Là, ça peut passer. Ah, là, ça devient dangereux. Ça, il a tapé. Non. On aurait dit qu'il avait tapé. Attention là, il donne son dos. Et le public acquis à sa cause. Ah ouais. À l'unisson. Et désormais, attention maintenant, cette fois-ci, c'est Michael Dubois qui prend la guillotine. Et elle est très, très bien engagée. Très bien passée. Allez, il faut qu'il pousse sur la tête. Oh là là là, c'est très bien engagé. Ouh, il va être privé d'oxygène dans peu de temps. Aïe. Alors, soit il va perdre patience. Ça tape. Ça tape. Oh là 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 là, c'est un retour incroyable. Quand on vous dit qu'on ne peut jamais prendre la confiance dans ce sport. Michael, Bad Boy, Check, là, il y a Doumbé qui va combattre. C'est encore un novice dans notre sport, pardon. En MMA, mais s'il veut, moi, je suis chaud. Ça se terminera sûrement avec une soumission pareille. On va pas jouer avec le feu, hein. On n'est pas con, c'est les échecs. Eh bien, il est opportuniste, Michael Dubois. Alors, il a gagné, ça c'est sûr, son ticket face à Jason Poney. Donc ça va se faire, c'est pratiquement acté. En revanche, faire un call-out à Cédric Doumbé, bon, on ne sait toujours pas à l'heure qu'il est si Cédric Doumbé va continuer au MMAGP. En revanche, il y en a un qui a fait un call-out, mais discrètement, auprès du matchmaker, c'est Emerson Silva. Emerson, donc toi, tu es plutôt du genre humble, tu n'aimes pas faire des call-out publics, mais combattre Cédric Doumbé, c'est quelque chose qui te ferait plaisir. Bien sûr, je cherche toujours des défis plus grands. Et si c'est un combattant 4-0, je suis un combattant 4-2. Ça fait bien de combattre avec un combattant comme ça. Et lui, je sais que c'est un grand combattant, c'est un grand homme au pied-point, mais c'est un combat de MMA. Donc il a plus des armes pour montrer dans la cage. Et je suis prêt, c'est lui, c'est quelqu'un d'autre, je suis prêt. Son striking ne t'impressionne pas en tout cas? Au contraire, ça te stimule, c'est ça? Ouais, mais c'est ça que j'ai dit. Si c'est pas un grand mec avec des grands bras, c'est plus facile pour moi de faire le striking aussi. J'aime bien travailler le striking, mais normalement, j'y arrive pas à cause du mec, c'est trop gros. Ah, ça serait une super opposition de style. Toi qui gagnes toutes tes victoires, c'est par soumission. Cédric, c'est par KO. Un striker contre un jujitsuka, on va dire. J'aimerais voir ça. Ça serait presque du old school. Mais tu nous disais en off aussi que tu aimerais bien peut-être descendre dans la catégorie du dessous. La catégorie du dessous, elle est occupée par un certain Title Shy. Ça aussi, ce serait un super fight. Très, très bon fight. Ouais, c'est le Mike Lebeau qui me donnait cette idée, donnait ce conseil. Par lui, c'est un grand combat, moi et lui. Et on espère le matchmaker de MMAGP. Ouais. J'ai proposé. Si lui détruit, je suis prêt aussi.
C'est vrai. Bon, ben voilà, il est, cet homme est disponible. Hein. C'est ce qu'on retiendra l'histoire. Ah, Maurice, si tu entends. Il n'y a pas du temps pour perdre. Non, mais là, on a deux combattants de rêve pour un matchmaker, hein, disons-le clairement. Ah, oui. Ils n'ont peur de rien. Alors, pour en venir à Jason Poney, qui va être au cœur donc, du MMAGP du 17 juin à Bordeaux. Alors, je l'ai croisé par hasard en Thaïlande, là, il y a une semaine. Figurez-vous qu'il a complètement changé de vie. Il s'est installé au Royaume du Siam. Et bien, finalement, je crois que c'est une émission spéciale expatriée. Regardez, je vous ai concocté un petit sujet avec Lucien Jahan. C'est ici, dans cette petite rue de Phuket en Thaïlande, que l'on peut croiser des combattants du monde entier. Historiquement, c'est grâce à l'iconique Tiger Muay Thai que cette rue est devenue un carrefour stratégique pour les sportifs du monde entier. Le paradis des combattants, la Fight Street. On y trouve côte à côte des salles de fitness, des classes de yoga, des camps de Muay Thai et de MMA, des bars à protéines, des restaurants diététiques, des salons de massage. Le tout à 15 minutes des plages paradisiaques. Les conditions sont idéales, et c'est ce qui a fait le succès de la Fight Street. C'est ici que le français Jason Poney a décidé de s'installer durablement au sein de la célèbre franchise brésilienne Nova Uniao. Rares sont les Français à avoir sauté le pas. En France, j'avais un peu de mal à m'entraîner sérieusement, on va dire. Et ici, j'ai tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure, de style de vie aussi, pour moi et ma famille. C'est un projet qu'on avait dans la tête, parce qu'il faut savoir que bon, moi je suis un globe-trotteur un peu, je bouge pas mal, et du coup ma femme, depuis qu'elle connaît, me suit pas mal aussi dans mes aventures. On revenait de Guyane il y a 2 ans, on s'était installé, après Covid oblige, on est revenu en métropole, c'est là où je suis reparti, j'ai relancé ma carrière. Et moi en tout cas, je trouvais pas trop ma place en métropole, et je me rappelais qu'ici, justement pour le côté combat, Et sérieux de l'entraînement, c'était parfait. Donc j'en ai parlé, c'était un travail un peu de longue haleine, hein, pour convaincre ma femme. Et après on a sauté le pas, on a tout vendu. On a tout vendu là-bas en France. Si l'idée fait rêver plus d'un combattant, s'installer en Thaïlande ne s'improvise pas. Le pays est protectionniste et chaque étranger nécessite un visa. Alors pour les combattants, la meilleure solution, c'est le sponsoring d'une écurie. C'est-à-dire l'entraînement gratuit et la pension complète. C'est l'objectif de Jason Poney avec la Nova Uniao. À terme, il aimerait même y jouer un rôle de coach. Pour l'heure, sa carrière de sportif est au premier plan. À 34 ans, le globe-trotteur semble infatigable. La vie d'un combattant en Thaïlande, c'est beaucoup d'entraînement, quoi. C'est entraînement matin, le soir, des fois même le midi. Il faut savoir qu'ici, du coup, je suis full-time fighter. Enfin, je fais que ça, quoi. Que du combat. Je suis parti des gens qui ont envie de tenter de faire des choses. Et si on réussit, on réussit. Si on rate, bah, tant pis, on aura essayé au moins. Consacrer sa vie au combat et tenter de s'imposer dans les plus grandes organisations asiatiques, tels sont les objectifs du samouraï Jason Poney. Je vais continuer à fighter au MMAGP et pour la ceinture normalement des 77 à Bordeaux, le 17 juin, si je ne me trompe pas. Et oui, en parallèle, je vais faire des excursions en Asie, je pense, du genre ONFC. Après avoir fait le tour du monde et combattu dans les plus grandes ligues, c'est devant son public que Jason est désormais attendu. Le 17 juin prochain, à Bordeaux, Jason Poney aura rendez-vous avec son destin, ou plus précisément avec la ceinture du MMAGP. Si le français fait figure de favori, il aura face à lui un adversaire redoutable, Michael Dubois, étincelant au Zénith en décembre dernier. Un combattant que Jason connaît bien. Je connais Michael depuis, je sais pas, ça fait 8 ans au moins, justement la première fois où je suis venu en Thaïlande, on s'est entraîné ensemble au Tiger Muay Thai. Et après on a suivi chacun notre chemin, mais bon après on reste en bon terme. Là c'est pour moi le combat au MMAGP, c'est juste du business. Dans la cage on n'est pas copains, mais on est copains avant et après. Et le meilleur gagnera, mais ce sera moi. Le Suisse a montré de belles aptitudes à renverser le scénario en sa faveur lorsqu'il est au pied du mur. Méfiance donc pour Jason Poney, qui devra prouver une nouvelle fois qu'il est le numéro 1 français devant son public. Ah, la Thaïlande, ça vous gagne, hein, ça va. C'est pas toi qui me diras le contraire. Tu t'es obligé d'y retourner. Ouais. T'es déjà parti ? Oui, j'ai même combattu là-bas quand j'étais plus jeune, okay. Bétail. Mais j'avais dit à Lucie. Si tu vas repartir et elle restera là-bas. Non, mais c'est vraiment la vie de rêve pour un combattant, la Thaïlande. Revenons-en au MMAGP. Oui. Quelles sont les prochaines dates, Seb ? Donc, le 17 juin à Bordeaux, hein, l'Arkea Arena, immense salle de la périphérie bordelaise, donc pour ce nouveau MMA Grand Prix. Et le MMA Grand Prix s'installe en Suisse, à Genève, le 1er juillet. Donc, deux grosses dates à ne pas manquer. Voilà, donc...
vous serez sûrement sur la carte du 17 ou du 1er, messieurs. Mais en tout cas, voilà, c'est deux rendez-vous incontournables pour le MMA Grand Prix. Et on a hâte de vous y retrouver. Merci, messieurs, d'avoir été disponibles pour ce rendez-vous. Bah, Michael, je pense que tu vas pouvoir installer ta chambre ici, hein, parce que là, tu vas encore revenir un certain nombre avec de fois, plaisir, je pense. Quand je vais le redéfendre. Emerson, s'il te plaît, fais-nous encore une dinguerie, s'il te plaît. Parce juste qu'on avant aime ça. De se quitter, Lucie, il y a quelqu'un de la famille du MMA qui nous a quittés. Il y a une dizaine de jours, c'est Patrick Moltaldo qui avait fait les beaux jours du 100% Fight. Donc voilà, je tenais à lui rendre hommage, j'ai eu la chance de le speaker. Il nous a quitté malheureusement trop tôt, donc à toute la famille du MMA Grand Prix, qui est triste, repose en paix, Patrick. Voilà. Paix à son âme, voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour cette fin d'émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités du MMA français. Bye bye.